En arrivant, j'ai trouvé une situation qui était assez courante ici, avec assez peu de moyens matériels dus aux problèmes plutôt économiques du pays. Et donc l'idée, ça a été au fond, avec l'ouverture qui s'est produite dans les années 2016, ça a été de rééquiper le vignoble avec du matériel plus performant, permettre de travailler de façon beaucoup plus précise, de baisser les intrants. C'est réfléchir comment on peut faire pour que la sève, les flux de sève alimentent tous les bourgeons de la plante sans qu'ils soient interrompus par des cicatrices et des plaies. Voilà, donc ça veut dire apprendre aux gens à réfléchir la taille pour que ne pas obstruer cette autoroute de la sève qui va alimenter jusqu'à les derniers bourgeons. Et notamment pour réfléchir au sujet de ce qui concernait la taille, enfin les travaux en verre sur le vignoble en général, donc avec une entreprise italienne avec qui j'avais travaillé à Bordeaux aussi, afin de limiter les risques de maladies dans les vignobles et donc de permettre d'améliorer la santé du vignoble et donc obtenir une meilleure qualité de vendange. Et aujourd'hui, avec une restriction hydrique qui s'accélère, parce que les réserves en eau, malgré la proximité des Andes qui ont toujours alimenté cette région, font qu'il faut encore optimiser la gestion de l'eau pour qu'il y en ait pour tout le monde. D'où l'importance, pour moi en tout cas, et ici, de vraiment travailler de façon importante sur le trajet de sève dans le vignoble pour pas qu'il y ait ces phénomènes d'apoplexie qui provoquent la mort de la plante. Je pense que le fait de s'occuper de ça, justement, évite à la vigne de passer par ces caps importants. Et bien sûr, si on a en plus la possibilité de gérer l'eau de manière... de la bonne manière, en tout cas, apporter la quantité d'eau nécessaire pour permettre à la vigne de continuer à progresser en termes de maturation sans qu'il y ait le blocage. Puisque, en fait, l'intérêt pour faire des grands raisins, il faut que l'on ait ce qu'on appelle une contrainte hydrique pour que la plante, en fait, ne soit pas en déficit et qu'elle fonctionne. Mais il ne faut pas passer dans la phase de stress. L'objet, toute l'ambition que l'on a ici et en même temps arriver à ces résultats avec le minimum d'intrants chimiques, voire d'un travail plus environnemental, de biodynamie, bon, qui va nécessiter une petite mise en route avec quelques années pour développer le savoir-faire.